au dossier du commissaire aux comptes. Et les dossiers sont très importants. Je ne sais pas si ça figure sur le bouquin, mais les dossiers sont très importants. Pourquoi? Parce que le commissaire aux comptes, il pèse sur lui un risque important. C'est de se faire avoir. Et il n'a pas vu quelque chose de grave, il ne l'a pas révélé, et il risque d'être condamné. Alors, quel est le moyen qu'il a pour se défendre? Ben, le moyen qu'il a pour se défendre, c'est de pouvoir prouver en justice qu'il a mis tout en œuvre pour trouver ce qu'il fallait trouver, bien qu'il ne l'ait pas trouvé. Il a mis tout en œuvre. Mettre tout en œuvre, c'est quoi? C'est d'abord respecter tout ce qu'on a dit. Planning de travail, les notes de travail, les contrôles faits à des dates normales, pas trop tardives, etc. Avoir cette mission permanente quand l'entreprise est fragile. Quels outils il a fait, quelles notes il a, qu'est-ce qu'il a corrigé, qu'est-ce qu'il a vérifié, quels sont. Eh bien, il n'y a que ces dossiers qui peuvent prouver à la justice qu'il a fait un maximum de choses. Les dossiers sont très importants. Copie des notes, photocopie des documents les plus importants de l'année pour prouver qu'il les a regardés, etc. Sa note de synthèse, la lettre d'affirmation, le résultat de la confirmation directe, les sondages, les calculs qu'il a refaits, les photocopies parfois qu'il a prises dans le dossier du commissaire, de l'expert comptable qui lui a confié pour ne pas doubler les travaux. Mais ce n'est pas en prenant le dossier de l'expert comptable qu'il va s'exonérer de sa responsabilité. Moi, si l'expert comptable me dit, ne vous cassez pas la tête, je l'ai fait le calcul des congés payés, je vous le donne, je vais le vérifier. Parce que s'il y a une erreur, je suis responsable. Et ce n'est pas en disant, mais dites, c'est l'expert comptable qui a fait ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas ça qui va me sauver. Je prends la responsabilité de tout, donc je refais le. D'accord? Et il n'y a que le dossier qui peut montrer que j'ai mis tout en œuvre, j'ai tout essayé et je ne l'ai pas vu. Ce détournement, je ne l'ai pas vu. J'ai regardé tous les comptes, j'ai fait des sondages, j'ai demandé des confirmations et je ne l'ai pas vu. Alors voilà mes dossiers. Alors ces dossiers sont super importants. Et à une époque ancienne où je travaillais au début dans le commissariat aux comptes, connaître les comptables, leurs qualités, leurs défauts, on prenait peu de notes. Et on axait ça sur des vérifications, si vous voulez. Et les dossiers, c'était des pertes de temps. Donc on ne le faisait pas. Et on trouvait des choses. Mais depuis que c'est devenu très grave et que la compagnie nationale nous a dit non, non, il faut soigner les dossiers, allez-y, etc., on passe énormément de temps à remplir des dossiers. À remplir des dossiers. Vous savez, sur des clients comme des gros clients comme je traitais, j'avais 2000 heures de contrôle. Imaginez le nombre de dossiers, de photocopies, de calculs. Mais il faut dire ce qu'on fait. Parce qu'un jour, si on a un problème, les dossiers pourront nous sauver. Sinon, il y a des commissaires aux comptes qui se sont fait condamner et interdire d'exercer parce qu'ils ont fait des rapports, un peu de complaisance. Il y a eu un problème. On est allé chez eux, perquisition, dans le dossier. Il y avait la note d'honoraire, trois chiffres qui se battaient en duel, une copie du bilan et c'est tout. Mais c'est ça que vous avez fait? Allez, terminé, vous êtes coupable. Donc, dossier très important.